chez IGA cette semaine, il y a le bœuf haché mi-maigre à 2,79 la livre, ou si tu préfères 6,15 le kilo. Ça met du bon sens parce que c'est du bœuf haché, puis du bœuf haché, on peut faire plein d'affaires avec ça. C'est sûr, on a déjà vu un peu moins cher que ça, mais à 2,79 là, c'est quand même dans son prix. Là. On a déjà vu à 2,49 là, mais à 2,79 ça met du bon sens, pas du bon bœuf haché là. Chez IGA en plus, c'est super. Aussi, chez IGA, qu'est-ce que cette semaine? Ah oui, des côtelettes de porc. La coupe du sang, la belle coupe, là, la plus maigre, pas d'os, pas rien, à 1,99 la livre, ou si tu préfères 4,39 le kilo. Ça, là, ça c'est parfait pour, par exemple, tu peux le piquer à l'ail. Hein, tu le piques à l'ail, tu le fais saisir, tu le finis dans le four, dans ton croque-pot ou quelque chose comme ça. Puis là, c'est super bon avec des petites patates jaunes qu'on appelle. La petite sauce qui vient avec ça, tu sauces ton pain là-dedans, c'est bon. Hein? C'est des petits pas, des repas réconfortants, ça c'est sûr. Puis vu qu'il est déjà en côtelette, tu peux te faire des chops de porc avec ça. Écoute, c'est sûr que c'est une belle protéine. Puis à 1,99 la livre, là, c'est vraiment pas cher. Fait qu'écoute, je te le conseille fortement. Aussi, oh, les chanceux, parce qu'il y a du filet de truite. Cette semaine, là, dans le poisson, on n'est pas gâté. Moi, il n'y a pas de saumon, par exemple, cette semaine. Dommage. Mais il y a de la truite. Là, tout ça ressemble. Moi, j'aime mieux le saumon. Mais quand même, la truite, c'est plus mince, la truite. Hein, c'est plus délicat. Souvent, on le fait un petit peu trop cuit. Ça goûte plus le poisson. Mais écoute, c'est sûr qu'il y a plein d'oméga 3 là-dedans. C'est un poisson qui est rouge, donc qui est gras. Puis quoi, il est 8,99 la livre, ou si tu préfères 19,82 le kilo. C'est un bon prix. C'est parce que ça vaut 28-30$ le kilo. En bas de 20$, ça a du bon sens. Mais on a déjà vu moins cher que ça. OK, c'est sûr. Puis ça vaut moins cher que de toute façon que du saumon en partant de la truite. Donc, mais quand même, c'est un beau poisson. C'est frais, facile à faire. Tu peux faire aussi ma recette de moutarde de Dijon. Hein, le saumon à la moutarde de Dijon, mais tu peux le faire avec la truite aussi. Là. C'est aussi bon. Hein? Tu as dû essayer ça, là. Avec du gros poivre. Là, j'ai mis du poivre, tu vois, la vidéo, j'ai mis du poivre moulu comme ça, mais tu peux mettre des gros grains de poivre là, là, directement, puis tu croques dans le poivre avec la moutarde de Dijon, puis le saumon ou la truite. Là. C'est bon! Avec mon petit riz curcuma. Je te le conseille fortement. Fait, écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Écoute, n'oublie pas, hein, fais-moi un petit commentaire, un petit j'aime, partage ça. Il faut absolument que tout le monde qui voit au Québec, qui voit la liste de papa, c'est un must, franchement. C'est sûr, surtout si t'es la personne qui fait les repas, qui fait les épiceries. Là, c'est sûr que c'est intéressant, la petite vidéo de papa, c'est sûr. Puis si tu vas t'abonner en plus VIP, ben là, tu as la liste complète là, en PDF, en web, avec le prix que, vraiment qui vaut versus le prix en spécial. Puis c'est vraiment bien fait. Je te le conseille vraiment, là, c'est un aide super. Sinon, ben scrute, prends l'heure qu'il faut pour scruter les circulaires comme il faut, puis aller chercher les beaux rabais, parce qu'il y a vraiment énormément d'argent à sauver, c'est sûr, quand on cuisine les rabais de la semaine. Ça, c'est sûr. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa.